Gaston Phébus, jeune souverain du Béarn, reçoit de son oncle Corbeyran, bâtard de foi, l'éducation d'un chevalier. Quelques années plus tard, de retour d'une expédition contre les Sarrasins, accompagné de ses deux fidèles amis Espin et Arnauton, Phébus rentre au pays et retrouve Myriam, la compagne de ses jeux d'enfant. Un amour passionné unit ces deux êtres. Contre la volonté de sa mère, Phébus décide d'épouser Myriam. Ainsi s'accomplira la prédiction de l'ermite Bertrand de Vast, l'union de deux êtres sera le soleil de foi. Le roi de France, en guerre contre l'anglais, requiert brusquement la présence de son meilleur lieutenant. Le mariage est repoussé. Myriam, trop amoureuse pour accepter l'idée de cette séparation, déguisée en page, se joint à la troupe de Phébus et l'épouse secrètement dans une petite chapelle sur la route de Vincennes. Toi ici, tu n'es plus seulement comtesse de Foix, mais une reine. La reine du Béarn. Ne vous laissez pas impressionner par ce palais ni par cette cour. Souvenez-vous toujours que si le roi possède cette puissance, c'est à nous, gens de ces provinces, qu'il la doit. Et à nous surtout. Les Béarnais. Péché d'orgueil. Je suis un roi comme celui de France. Ce vieillard aveugle est Sa Majesté le roi de Bohême. Sire, le comte de Foix vous salue. Gaston, comme ton père. Oui, sire. Je l'ai bien connu. Et je l'ai bien aimé, c'était un grand capitaine. Il va beaucoup nous manquer dans cette bataille. Dois-je comprendre, sire, que vous avez l'intention de vous joindre à l'Ost? Ah, certainement. Cela vous étonne, mon cousin. Ne craignez rien. Que l'on me conduise au cœur de la mêlée. Et je saurai faire ma part aussi bien qu'un autre. Mon père m'avait dit qu'il y avait parmi les gens de France des chevaliers d'un courage inouï. Oui. Mais de son temps, il n'était pas aveugle. Échec et mat. Ainsi ferons-nous avec l'anglais. Sire, voici le comte de Foix, roi de Béarn. Ah, enfin! C'est notre vassal, le comte de Foix, que nous recevons, non le roi de Béarn. Aidez-moi bien à marquer l'alliance. Et maintenant, laissez-nous sur 10 hommes, enfin. Nous sommes heureux de vous voir, mon cousin. À vrai dire, nous commencions à désespérer. Les chemins de France ne permettent guère les chevauchées rapides. Nous nous occuperons des chemins quand nous n'aurons plus souci de la guerre. Vous ressemblez fort à votre père, messire comte. On me flatte toujours en le remarquant, madame. Espérons que vous aurez aussi sa bravoure. Pour s'en assurer, il suffira à votre majesté de me suivre au cœur de la bataille et de s'y tenir, si elle l'ose. N'y voyez point là de France, sire. Touches-y si tu l'oses, c'est la devise de Foix.
Il a fière allure, ce comte de Foix. Son insolence pourrait bien lui valoir les cachots du roi. Et je le crois, m'a bien se défendre, moi. Petite sœur, ce cœur de pierre se mettrait-il à battre? Quels hommes vous nous amenez? Sont-ils tous de cette taille dans votre armée? Un Bernet ne se déplace jamais sans ces montagnes, sire. Vous ne nous avez pas présenté votre page? Je le gardais pour la fin, car ce page est mon épouse. Surprenante beauté. Mon cousin, la jeune dame de Foix est désormais sous notre protection. Je serai heureuse de la garder près de moi pendant toute la durée de la campagne. Mes majestés, j'ai juré de suivre mon époux partout où il se trouverait, même dans les plus grands dangers. Ah non, cela ne se peut, mon enfant. La reine et les dames de la cour demeurent à Vincennes pendant notre petite promenade contre messieurs les Anglais. C'est l'affaire d'une semaine. Dans quelques jours, la victoire acquise, vous retrouverez votre bien-aimé. Nous ne pouvons que nous plier aux ordres du roi de France. Notre suzerain. Je me demande quelle doit être la naissance de cet inconnu pour mériter d'épouser le comte de Foix. Noblesse de cœur, peut-être. Comme toi. Sa Majesté Charles, roi de Navarre. Seigneur, le duc d'Anjou. Qu'est-ce que c'est? Service du roi. Sa majesté tient conseil et plus monseigneur le comte de Foix de bien vouloir y participer. C'est bon, j'arrive. À ton retour, je dormirai. Je te préviens. C'est ce qu'on verra. Les maudits. Les maudits. Nouvelle surprenante, les Anglais se retirent. Mais ils ne nous échapperont pas. Il faut les rattraper. Comment, sire? En marchant, jour et nuit, en leur tombant dessus dans la foulée, c'est clair. Nos préparatifs les ont frappés de terreur, qu'en sera-t-il quand ils nous verront surgir dans leur dos? Toujours en plein, hein, mon cousin? Si c'est pour commettre une folie, je regrette de n'avoir pas tardé davantage. Si vos troupes étaient arrivées à leur convenu, nous serions déjà sur les talons des Anglais. Peut-être même aurions-nous remporté une victoire que j'espère depuis si longtemps. Il faut partir. Non, sire, mes troupes ne repartiront pas sans s'être reposées. Il n'est pas question d'attaquer avec des chevaux fourbus, montés par des chevaliers à bout de selle. Quand on se trouve sur ma pied... Ah, la piétaille! Quelle importance! Nous battrons les Anglais par le seul effet de la surprise. Et si la surprise était pour nous, combien avez-vous d'archers? 6 000. À peine. Et encore, ce sont des mercenaires, des Génois qui se débranderont au premier choc. Comment? Pas un Français? Ben non, il a été impossible d'en trouver. Voilà bien l'effet de vos mauvaises finances, mon cousin. Le roi de France a tout imposé, jusqu'à la fabrication des arcs. Résultat, cette fabrication en France a totalement cessé, alors qu'Édouard l'encourageait chez lui par tous les moyens. Aujourd'hui, les Anglais disposent d'arcs en bois d'if si légers qu'ils peuvent tirer 3 flèches durant le temps que met un Génois pour lancer un carreau ou un riveton. Les flèches ne peuvent pas grand-chose contre les armures. Merci, mes amis, merci. Nous vaincrons, malgré ces oiseaux de mauvais augure. Il n'y a pas que les oiseaux et les flèches qui pourraient vous empêcher de vaincre. Vous oubliez les coutiliers. Quelle espèce d'animal est-ce-là? Un animal armé d'une sorte de grosse lance à bout ferré et recourbé. Il arrachera votre armure aussi aisément que vous faites sauter la coque d'une châtaigne avec la pointe de votre dague.
Maudits Anglais. Mais d'où tenez-vous ces renseignements, mon cousin? Je suis aveugle, mais j'ai l'ouïe fine. Le roi est borné. Il ne croit qu'à de vieilles méthodes de combat, glorieuses du temps de ton père. Elles risquent de nous coûter cher aujourd'hui. Je rentre en Béarn. Tu iras à la guerre. Je risque ma vie et celle de mes hommes pour se nier. Tu te feras tuer s'il le faut. Tu comprends plus. Phébus, pendant des années, j'ai haï ton père. J'ai tout fait pour m'emparer du royaume. Puis tu es né. Et ta mère a eu l'idée de te confier à moi. C'était une idée folle. Elle était géniale. En remettant un enfant innocent entre mes mains, elle faisait appel à ce qui restait de loyal en moi. Elle m'a dit, faites de Phébus un chevalier valeureux et droiturier comme vous-même. Le compliment me toucha. Il me restait à le mériter. Tu n'as pas dû avoir grand mal. Mais j'aurais échoué dans ma tâche si tu ne défends pas ton souverain. Tu es chevalier, et c'est une loi à laquelle tu ne peux te dérober, même si elle te semble vaine. Que deviendra mon royaume si je meurs? Et que deviendra-t-il si tu te mets en faute vis-à-vis de ce souverain à qui tu as promis fidélité? Que deviendra Myriam si je meurs? Partiront demain. Avec l'avant-garde. Tirez, mes chers, il se fait tard. Bonne nuit. Veuillez rester un instant, comtesse de Foix. Je vais vous entretenir. Mesdames, cette cour m'insupporte. Pas un mouvement, pas un geste qui ne recouvre une attention perfide. Certes, nos cours de province sont bien différents. Comme vous avez de la chance. Je suis sûre, jolie petite Myriam, que vous ne pourriez pas vivre ici. Pas une amie à qui se confier. Et pourtant... Ah, j'aurais tant aimé. J'ai un cœur si sensible. Et asseyez-vous là. Vous voulez bien être cette amie? Certainement. Aussi longtemps, du moins, que je séjournerai à Vincennes. Oh, merci, merci, petite Myriam. Vous pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites et combien je vous suis reconnaissante. Alors, plus de majesté, plus de reine entre nous. Hein? Causons familièrement, comme les deux amis que nous sommes. Vous n'en démordrez pas. Non, madame. Vous êtes jolie. Votre majesté est trop indulgente. Oh, non. Il me suffit de plaire à mon époux. Et vous devez lui plaire. Rien que cette chevelure. Si soyeuse, si douce. Si douce.
prendrez-vous en mauvaise part, Majesté, si je vous demande l'autorisation de me retirer? Je vous fais peur. Revenez, c'est un ordre! Faudra-t-il que j'aille vous chercher? J'entends, petite insolente, qu'on fasse toute ma volonté et... Ah! Malheur à toi si tu cries, tu oublies que je suis la reine! Non! Phébus, mon amour. Reviens, reviens. J'ai peur. Trop belle. Phébus ne pourra pas l'oublier. Pourquoi voudrais-tu qu'il l'oublie? Quoi? Mais c'est sérieux? Non. S'il n'est pas tué, Phébus reviendra bientôt. Dès la première bataille, ils auront remporté la victoire. Oui. Et si c'était une défaite? En sécurité, sire. Permettez-moi de rejoindre mes troupes que j'ai abandonnées pour me battre à vos côtés. Merci, mon cousin. Je vous dois la vie. Il est mort de Crécy, qu'en dirons-nous? Et quelques milliers d'archers, toute la chevalerie française. Et nul ne pouvait imaginer que l'Anglais allait utiliser les bombardes. Si les boulets n'étaient pas tombés sur une chevalerie occupée à massacrer ses archers, parce qu'il les empêchait de charger, il n'aurait fait aucun mal. Et Dieu était anglais aujourd'hui. Je vous salue, sire. Je m'en retourne en Béarn. Portez-vous bien. Maudit Béarn. Crécy lui ayant donné la victoire, Édouard III d'Angleterre s'attaque à Calais. La ville est si bien fortifiée qu'il renonce à donner l'assaut. Il préfère l'affamer. Mais la population tenait, comme Philippe VI l'avait demandé, expressément à leur chef, Jean de Vienne. Le message désespéré de Jean de Vienne tomba entre les mains des Anglais qui s'empressèrent de le porter à Philippe VI, dans l'espoir de le faire sortir de sa retraite et de le vaincre définitivement. Autrefois, vous avez écrit que je tiendrais la ville tant qu'il y aurait à manger. Or, sommes à ce point que nous n'avons plus de quoi vivre. Si nous n'avons bref secours, nous hisserons hors de la ville, tous à champ, pour combattre, pour vivre ou pour mourir. Car nous aimons mieux mourir au champ que manger l'un l'autre. Nos appartements, où les vois-tu? Ici, le tien. Une dizaine de pièces en plein soleil. Puis là, le mien. Sur quatre étages et deux ailes. C'est bien trop grand. Tu
Tu y seras heureuse. Je te le jure. Et lui aussi. Deux Phébus pour moi seule. Oh mon Dieu. A-t-on fait le compte de nos troupes? J'ai relevé le nombre de chevaliers disparus, 1200. Non, ceux qui restent, combien sont-ils? Peu, très très peu, sire. En ce qui concerne les gens à pied... Je n'en veux aucun. La piétaille n'est qu'encombrement, on l'a vu à Crécy. Mais les Anglais se sont fort bien accommodés de la leur. La chance était avec eux. Cette fois, mon armée ne comptera que des chevaliers. Votre Majesté a l'intention de repartir en guerre? Je ne peux pas laisser tomber Calais sans réagir. Mais sera-t-il encore temps? Oui, que Calais tienne encore 15 jours et nous la délivrerons. Mais avec quelles troupes? Avec les troupes demeurées ici. Les autres nous rejoindront au fur et à mesure de leur arrivée. Mais il n'y a plus personne à Vincennes. Tous vos vassaux sont repartis chez eux. Comment j'en veux? Vous les avez laissés partir? Mais le moyen de les retenir. Vous aviez disparu, mais nul ne connaissait vos projets. Et voilà, comme nous sommes servis. On tourne le dos un instant, chacun agit à sa guise. Heureusement! Le roi est là. Délicieux spectacle. Vous êtes si belle, petite sœur. C'est moi! Vous avez tort de me frapper. Je suis porteur de bonnes nouvelles. D'abord, l'armée est de retour. Et le roi? Tu n'as pas entendu sonner le corps? Où vas-tu? Salut, Sa Majesté. Tu n'as pas honte. Tu es révoltante et ridicule. Oh, toi, tu n'es jamais ridicule. Tu n'es jamais ridicule parce que tu es dangereuse. Il faut plaindre ce que tu aimes. Réjouis-toi. Il va revenir. Qui, Phébus? Oui. Et elle? Elle? Et elle, son épouse, il l'emmène? Certainement. Je ne veux pas. Et comment pourrais-tu faire pour l'empêcher? Les choses qui te gênent ne t'ont jamais gêné très longtemps. Aide-moi. Oh, aide-moi, je t'en supplie. Je t'aiderai d'autres fois quand je pourrai. Aide-moi, je t'en supplie. C'est une histoire d'amour. Je sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que je le veux. Je le veux de toutes mes forces. Je crois que je n'ai jamais rien voulu avec cette force-là. Attention! Attention, mesdames, messieurs, attention! Je commence par un tour un peu simple, mais qui a du moins émerveillé toutes les capitales d'Europe. Voilà, une balle, deux balles, trois balles, et une main. Hop. Ah. Je l'avais dit, simple, mais difficile. Pour me mettre en confiance, je vais faire quelques acrobaties. C'est un domaine où je suis passé maître. Écartez-vous, mes messieurs, écartez-vous, voilà. Et hop. Un, et deux. Et trois! Oh là, excusez-moi, je n'arrive pas toujours à contrôler mon élan. Mais ils se moquent de nous! Excuse-moi, bonhomme, moi non plus, je ne peux pas contrôler mon élan! Bastille! C'est ce misérable! Il est venu pour nous prendre les piécettes, il ne sait rien faire! Mesdames, délivrez-moi des griffes de ce fauve! Ne dirait-on pas qu'il grogne comme un ours? Tais-toi, Hannibal, du calme! Pourquoi tromper tes pratiques? C'est moi, belle dame, qui ai été trompée. J'ai racheté à prix d'or tout le matériel d'un bohémien. Et ces maudits objets me refusent le moindre service. Même cette lyre. Elle est belle, cette lyre. Et pourtant, je ne puis en tirer aucun son.
Tu t'y prends mal. Comment faut-il faire? Voici la position correcte des doigts. La 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 la. J'ai compris. À moi d'essayer. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que tu as? Rien, j'ai dû me piquer. C'est la faute à ce maudit bohémien! Allez, allez, où? Dehors! Allez, 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 allez. Cet instant-là, tu vois, durera toujours. Le temps est parsemé comme ça, de petites éternités. Au contraire. Allez, viens. Tombe-toi, tombe-toi, MB. Déjà arrivé, bien sûr, mais devant toi. Est-ce dans la dernière image que tu emporteras de ton épouse? Tu as fini, oui. Tu vois, j'ai eu tort de te céder. Cette promenade t'a fatigué. Va rentrer tout doucement. Mal. Regarde, il est tout enflé. Le bras entier est comme engourdi. N'est-ce pas là où tu t'es piqué tout à l'heure? Peut-être. Je suis sûr. Rentrons vite. Je me sens mal. Arrête, monsieur. Le meilleur qu'en verrant, vous avez raté le spectacle. Comment allez-vous, monseigneur? Hannibal! Venez. Venez tous! Ouvrez! Pour mon échelle! Ouvrez! Ouvrez!
dormir. Les petits cœurs, vite. Chercher Dame Florine. Dépêchez-vous, bon Dieu! Dame Florine! Maman Flo, vite! Elle se meurt! C'est Hannibal qui s'est chargé d'exécution. Ça, mon Dieu, vous voyez bien que ça lui fait rien. Hélas, monseigneur, c'est tout à fait comme si elle avait été piquée par un serpent ou mordue par une bête terriblement venimeuse. Sauvez-la. Et nous venons d'avouer notre... Sauvez-la, sauvez-la, faites quelque chose, n'importe quoi, mais sauvez-la. Il serait malhonnête de notre part de vous dire le contraire. Ce venin est effrayant de rapidité. Regardez, le sang est déjà entièrement empoisonné. Soyez donc courageux, monseigneur. Mais il n'y a plus d'espoir. Myriam. Posez-le là. Navarre. Inutile que Phébus sache d'où vient le coup. Je serai incapable de le lui cacher. Alors, mon Dieu, priez pour nous et pour Navarre. Thank you.
Je me suis arrêté à Sauveterne de Béarn. Attends. Dois-je revenir, monseigneur? Tiens. Tu t'habilleras dans le couloir. Un accro? La comtesse de Foix est morte. Mais Ramirez aussi. Alors qu'il est, le comte doit tout savoir. C'est terrible ce que tu m'apprends là. J'ai cru bon vous prévenir. Je ne dois pas le précéder de beaucoup. Tu as bien fait. Tu peux repartir. Pamplune, tout de suite. Mais sire, je viens de faire 600 lieues. Ah, crève, j'ai d'autres soucis en tête que de ménager ta triste carcasse. Bien sûr. S'est fait prendre la main dans le sac. La comtesse de Foix n'est pas morte. Si. Si? Mais alors, c'est parfait. Comment l'entendez-vous? Moi, pour commencer, j'ai perdu Ramirez. Mais il avait rempli son rôle, Ramirez. Est-ce que vous vous imaginez par hasard que le rôle de Ramirez était de satisfaire vos caprices? Le rôle de Ramirez, c'était de m'assurer le trône de France. Lui seul, par son art, pouvait me débarrasser du roi Philippe, du duc Jean. Et de quelques autres. Certes. Mais non, il vous reste Ferrero. Ferrero ne sait pas doser les poisons. C'est lui qui vous a trouvé Ramirez et vous trouvera quelqu'un d'autre. Si le comte de Foix nous en laisse le temps, il sera ici d'un moment à l'autre. Il faut nous mettre à l'abri. Non. Portez ce que vous voulez, mais moi je reste. Imprudence. Oh non. Vous voudriez que je rate une si belle occasion. Dans l'humeur où il sera. Dans l'humeur où il sera. Et pourquoi pas. Oh. Je vais le revoir blessé, désespéré, saignant d'une blessure que je lui ai faite. Je veux le revoir puni de ne pas m'avoir aimé la première, et d'en avoir aimé une autre. Puis il va me voir, lui. Il va me voir pour la première fois. Pour la première fois, nos regards vont se croiser. Pour la première fois, je vais exister pour lui, et vous voudriez que je me prive de ce plaisir. Vous voudriez que je parte quand les choses vont devenir si intéressantes. Non. Dieu merci pour Phébus. La guerre reprend. Acceptera-t-il d'y aller? Et s'il accepte,
cherchera peut-être à se faire tuer. Entre deux mots, il faut écarter le pire. L'avant-garde est partie ce matin. Si tu veux la rejoindre, habille-toi. Très bien. Thibault ! Thibault, habille ton mec ! Corbeyran, tu prendras toutes les dispositions nécessaires, j'emmène Hannibal. Il voyagera avec tes bagages, j'ai besoin de lui. Je ne comprends pas. Obéis. Bien. Non, celle de Béarn. C'est le vassal du roi de France. C'est Foix qui va à Calais, ce n'est pas le prince régnant à Orthès. Avant Calais, il y a Vincennes. Bien. Hannibal, la bannière de Béarn, je ne vois pas où tu veux en venir. Je mangerai Myriam. Et qu'au moins cette vengeance soit mille fois plus terrible que la mort. Phébus Saban ! Phébus Saban ! Mais tout à coup, j'ai peur. Ah non, de la boulue, tu iras. Disais, je te traînais moi-même par les cheveux. Et même, tu feras bonne contenance. Seule l'audace peut nous sauver. Et n'oublie pas, il va peut-être de ta vie et de la mienne. Si on m'a dit vrai, la glorieuse bannière de Béarn rallie ce jour celle de France et de Foix. Soyez remerciés de bien vouloir accompagner le roi, notre époux, malgré le malheur qui a marqué la dernière campagne. Avez-vous fait bonne route? La chaleur ne vous a pas éprouvé? Pour Dieu, reviens à toi. Le roi, notre époux, a quitté Vincennes avec son armée voici quelques jours. Estimant que seul un prince royal pouvait dignement accueillir et escorter jusqu'à lui un prince de Béarn, il a confié à notre aimable cousin de Navarre le soin. Le roi de France nous fait assurément grand honneur, madame. Mais il me permettra de préférer à l'escorte qu'il me propose celle-ci. Elle est plus sûre. Mmh.
Néanmoins, nous accepterons aussi l'escorte du prince, si toutefois mon fidèle compagnon y consent. Son instinct est infaillible. Nabar ! Qu'en penses-tu, Hannibal ? Votre compagnon est bien déconcertant, Comte Phébus. Quand on appelle les Pyrénées, on n'a pas l'habitude de les voir arriver avec leurs montagnes et leurs bêtes fauves. Hannibal n'est plus qu'une bête, madame. C'est un ami. Un ami qui excelle à me protéger de tout danger et qui voit le mal pour moi partout où il se trouve. J'ajoute qu'il sait faire quantité de tours. Voyez plutôt. Ces rubans semblent vous intéresser, madame. Puis-je vous les offrir? Prends ces oripeaux dans ta gueule, Hannibal. Et porte-les à la princesse. Puisque vous paraissez avoir moins peur de moi que de lui, c'est donc moi qui vous les porterai. Au risque de me fâcher avec mon ami, car c'est son trophée, figurez-vous. Il l'a conquis de haute lutte en mettant en pièces un gredin venu pour nous nuire. Mais oui, il a lui-même déchiqueté cette canaille pour n'en faire qu'un tas de tripes et de sang. Néanmoins, je vous l'offre de bonne grâce. Il porte bonheur. Du moins, je le suppose, car le gredin en question était bossu. Bossu et même avec un peu d'exagération. J'ai le regret d'annoncer à votre majesté le décès de notre épouse, Myriam de Foix. Empoisonnée par un inconnu. Préparez-vous, nous partons pour Calais. Tu as changé d'idée? Je n'ai changé en rien. Effrayer Agnès te suffit. Ce n'est qu'une entrée en matière. Je rêve d'une vengeance plus longue. Plus subtile. Et somme toute plus intéressante. Pour l'instant, je me contente de jeter le trouble. Et j'attends que ce trouble s'insinue en elle. Comme le poison qui a tué Myriam. Et après? C'est ce que nous verrons. En route pour Calais. Nous sommes venus pour rien. Le roi a levé le camp. Encore une lâcheté. À ajouter à tant d'autres. Mais alors pourquoi avoir demandé à Jean de Vienne de tenir Calais à tout prix? Pour le roi de France, que des milliers d'hommes meurent de faim n'est rien. Si sa gloire peut être sauvegardée. Un roi qui accepte que ses sujets meurent de faim. Que lui-même meure de faim et de soif. Qu'il soit dévoré par les poux. Le vermine de l'enfer. Nous n'avons plus rien à faire ici. Retournons en Béarn. Retournons en Béarn, Phébus. Après. Nous allons d'abord à Paris. Je t'en supplie. Oublie Agnès. Oublie ta vengeance. Jamais. La guerre en a retardé l'échéance, mais maintenant, je vais accomplir ce qui demeure
le but de ma vie. Et je vais l'accomplir inexorablement.